Alors, je vous ai déjà dit qu'il y aurait un nouveau concept sur ma chaîne sur les people. Les people, donc tout ce qui est star, influenceur, etc. Et comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de Hailey Bieber. Alors, j'ai décidé de parler de Hailey parce que je trouve tout simplement que beaucoup trop de monde s'acharne sur elle et que c'est vraiment intéressant de connaître sa vie, en savoir un petit peu sur elle. Et c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. Qui est Hailey? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Je vais tout vous dire. Son nom de naissance, c'est Baldwin. Hailey Rod Bieber est née le 22 novembre 1996 à Tucson, en Arizona. Elle doit avoir 26 ans aujourd'hui. Et je sais pas vous, mais on a l'impression que personne ne sait ce qu'elle fait, pourquoi elle est connue. En fait, elle est mannequin et entrepreneuse. Elle a grandi à New York avec sa grande sœur, Alaya Baldwin, et ses deux parents, donc son père est acteur, c'est Stephen Baldwin, et sa mère est graphiste. Elle est d'origine brésilienne, elle s'appelle Kenya. Faut savoir que Hailey Bieber n'a jamais été à l'école, c'est sa mère qui lui faisait les cours à domicile. Et quand elle était adolescente, elle a fait une école de danse. Elle était passionnée par la danse, mais malheureusement, un peu plus tard, elle va avoir un accident, donc elle va arrêter. Alors, quelles sont les origines de Hailey Bieber? Il y en a pas mal. Alors, elle a des origines brésiliennes, portugaises, siciliennes du côté de sa mère, du côté de son père, anglaise, française, écossaise, irlandaise et allemande. En tout cas, ça fait un beau mélange puisque on peut dire que Hailey, c'est une femme qui est très belle, en tout cas pour moi. Pas aussi belle que Selena Gomez par contre. Vous devez connaître le fameux Alec Baldwin qui a fait d'ailleurs un épisode de Friends qui était très très drôle. Vous savez, le mec qui était très enthousiaste par tout et n'importe quoi dans un épisode où il sortait avec Phoebe. Pour tous ceux qui adorent Friends, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, c'est la nièce de Alec Baldwin. Hailey est aussi la nièce de l'actrice Kim Basinger. Et si vous les connaissez aussi, moi je ne pense pas les connaître. Il y a Daniel et William Baldwin qui sont aussi les oncles de Hailey. Bon, voilà pour la petite biographie. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à sa carrière. Même s'il n'y a pas non plus grand chose à dire, ce que j'ai noté ici, c'est qu'elle a débuté sa carrière de mannequin en 2014 et qu'elle a travaillé avec des marques telles que Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc. Il y en a eu pas mal. Et je sais que ça intéresse vraiment cette partie-là, c'est ce qui intéresse le plus. C'est la partie de sa vie privée et bien sûr le fameux Justin Bieber. Alors, elle l'a connu en 2009, mais ils ont commencé à se fréquenter quand 2015 et ensuite se sépare en 2016. Entre temps, Hailey a rencontré le chanteur Shawn Mendes. Ça s'est terminé et elle s'est remise avec Justin Bieber. C'est là qu'ils ont étonné tout le monde quand ils se sont mariés, donc Hailey et Justin Bieber, en 2018. Et par rapport à son cercle d'amis, elle est très amie avec les sœurs Kardashian, ou du moins plutôt les sœurs Jenner, donc Kendall et Kylie Jenner. Avec elle, il y a eu des sortes de petits scandales un peu puérils. En fait, c'est plutôt des gamineries qui se sont passées entre Hailey, Kylie, je crois Kendall aussi, et ça concernait Selena Gomez, vous savez, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, de toute cette polémique. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à raconter par rapport à cette histoire, parce que franchement, c'est que des gamineries. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder sur internet ou même d'autres vidéos YouTube qui en parlent de cette polémique entre le clan Jenner avec Hailey contre Selena Gomez. Vraiment, c'est des gamineries, c'est du fat shaming, c'est voilà, sur TikTok, donc c'est vraiment rien de sérieux. On sait tous bien sûr que Justin Bieber a fréquenté Selena Gomez, c'était vraiment le couple phare, un peu comme à l'époque où Britney Spears sortait avec Justin Timberlake à l'ancienne. Bah là, c'était pareil. Ils s'aimaient beaucoup, c'était l'amour fou, mais ils arrêtaient, ils reprenaient leur relation, ils arrêtaient, ils reprenaient. Et pendant toutes ces années, Hailey faisait une énorme fixette sur Selena Gomez. Ça tournait carrément à l'obsession. Par exemple, on a Hailey qui va mettre les mêmes fringues que Selena, Selena qui va être photographiée avec, et juste après, on va retrouver Hailey avec ses mêmes vêtements. Elle aurait fait le même tatouage que Serena, qui était représentatif et très sentimental hein, pour Serena. Bah, elle a repris le même tatouage au même endroit, donc c'est quand même un peu bizarre. Selena Gomez a fait son show de cuisine et comment dire, Hailey a aussi fait de la cuisine en se filmant. Elle avait les mêmes expressions que Selena, la même façon de parler, en fait tout. Quand on les compare toutes les deux, on a l'impression que le but de Hailey, c'est d'être Selena. Elle l'a recopié sur tout. On a les preuves, après c'est pas non plus des trucs de fou, enfin un petit peu quand même, mais voilà, ça confirme vraiment qu'elle est bien, bel et bien obsédée par Selena. Et ce qui est intéressant de savoir, enfin de chercher à comprendre, de se dire pourquoi Hailey est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement parlant, c'est vraiment intéressant de savoir. Enfin, je sais pas si vous, ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse vraiment énormément. J'ai l'impression, alors je sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression qu'elle peut être atteinte de ça, mais bien sûr, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni rien. Je suis personne pour dire quoi que ce soit. Mais ça me...
Mais je dis juste que ce que je pense, ça me rappelle vraiment ce syndrome de l'imposteur, où en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impression d'être un imposteur dans ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, sa carrière, surtout, ça touche surtout ça. Et elle, peut-être qu'elle est atteinte de ça. En tout cas, on sait qu'elle se compare beaucoup avec Selena, qui a beaucoup d'hypocrisie aussi. Un coup, elle l'aime, un coup, elle parle dans son dos, dans les réseaux sociaux. On peut aussi parler de jalousie. Enfin, je sais pas, ça saute aux yeux, en fait, cette jalousie. Donc, en fait, là, on a une obsession, on a la jalousie. Et toute cette façon de se comparer et imiter Selena, toutes ces choses reflètent quand même un problème qui peut être mental. On a l'impression qu'elle ne se sent pas légitime vis-à-vis de son mari, étant donné que Justin Bieber, tout le monde le connaît, c'est un chanteur international. Il a été avec Selena Gomez, qui est aussi géniale. Et on a d'un côté Hailey qui se sent un peu à part. On dirait qu'elle n'a pas l'impression d'être à sa place, qu'elle a rien à faire ici, qu'elle est vraiment pas du tout légitime de Justin Bieber, qu'elle n'est pas à sa hauteur. Peut-être que de là vient son obsession pour Selena Gomez, parce que en même temps Justin parlait beaucoup d'elle, que ce soit à travers ses musiques ou autrement. En même temps, on a Justin qui rassure pas vraiment sa femme là. Bon, ce qui est sûr, c'est que Hailey, franchement, ça lui ferait beaucoup de bien de consulter, et ça se trouve, elle le fait déjà, en tout cas de consulter un professionnel par rapport à tout ça. Et je tiens à préciser, c'est vraiment très important, parce que à cause de cette obsession, tout le monde s'en prend à elle, les gens la harcèlent sur les réseaux sociaux, où ils vont carrément la huer quand ils la voient en public, notamment avec Justin. Et souvent, bah, c'est comme on les appelle, des Selenators, des fans de Selena Gomez. Il faut vraiment préciser que c'est pas une raison, que son obsession n'est pas une raison pour la harceler, pour l'insulter et lui faire du mal. Tout simplement, c'est pas normal. Ce qu'elle fait aussi n'est pas normal, mais pour l'instant, c'est pas dangereux, on va dire. C'est vraiment pas dangereux, mais il faut quand même qu'elle aille consulter, qu'elle travaille sur elle-même. J'espère qu'elle va le faire, j'espère qu'elle va travailler sur sa confiance en elle. Surtout, c'est ça le plus important, c'est vraiment de ça dont elle a besoin, d'une énorme bonne dose de confiance en elle. Voilà, bon, normalement, je vous ai tout dit. S'il y a des choses qui manquent, je vais les ajouter au fur et à mesure dans le montage. Je voulais juste faire une petite vidéo un peu courte sur Hailey pour ceux que ça intéresse, surtout par rapport aux polémiques qui sortent en ce moment, qui sont pas ouf. Mais je voulais faire un peu une vidéo qui parle pas mal de Hailey, tout simplement. C'est pas que je suis de son côté, moi je suis du côté de personne. Et puis de toute façon, voilà, je m'en fiche de ces polémiques-là, de ces histoires. J'adore beaucoup Selena Gomez, je la trouve magnifique cette femme, j'adore ses chansons. Et de l'autre côté, j'ai rien contre Hailey, je suis pas une gamine qui est dans un camp ou un autre, enfin vous voyez, c'est vraiment inutile. Bon, en tout cas, voilà, c'était le portrait de Hailey Bieber. Je vais en faire d'autres, des vidéos comme ça, des portraits de, voilà, de telle personne avec sa biographie, toutes les informations, sa carrière, sa vie privée et des polémiques s'il y en a. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ma vidéo, ou laisser un petit commentaire de référencement. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important et ça me ferait énormément plaisir. Plus je vois des abonnés, plus je vois des vues, plus ça me donne envie de faire des vidéos de plus en plus. Et voilà, de vous divertir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!